Goku sous caramel. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vidéo spécialement tournée pour YouTube où on va ouvrir les pires objets anime manga d'AliExpress. Oh le concept à 10 000 BRX, ça va la cadreuse? Attends viens, viens on fait un tour. On va voir si t'es fort pour me filmer. Alors aujourd'hui les gars, on a plein de colis à vous proposer parce qu'on a fait une présélection. En vrai, globalement, je vous avoue que je sais rien des objets en fait. Je sais juste que pour la plupart, c'est des objets que tu ne commanderas jamais pour toi. Alors, objet numéro 1. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est un produit chinois déjà. Bon, en même temps, AliExpress, j'ai envie de te dire, on va pas aller très très loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Une banderole One Piece. C'est pour ta voiture? Non, tu te fous de ma gueule. Je te jure. Montre-nous, j'adore One Piece, mais de là le coller sur ma voiture, ce serait abusé. Ah, on va le coller à la voiture du coup. Bah, tu fais très mal les choses là. Ah bon? Oui. Pourquoi il y a une partie de l'autocollant qui va se coller? Non, mais bienvenue sur AliExpress. Comment je colle ça à ma voiture? Tu sais quoi? On va custom la table. Tiens, voilà. One. Mais c'est une blague. Ça ne se colle pas. Ah, le problème, c'est qu'un autocollant, il doit être sur la partie collante. Tu vois, c'est ce truc-là. Tu vois, ça se colle. Sauf que le problème, c'est que tout est resté là-dessus. J'adore. Je donne une petite note quand même. La petite banderole, là, je sais pas quoi, elle est bien faite. Mais le gars, il s'est pas trop foulé, quoi. Il avait un seul truc à faire, c'est qu'on puisse au moins décoller ce qu'il y avait là-dessus pour le poser sur la caisse. 0 sur 20. Combien de budget pour cette vidéo? Trop cher. Super. Allez, objet numéro 2. Wow, deuxième objet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite boîte à musique. Je peux l'ouvrir? Mais non, arrête. Encore du One Piece! Du coup, ça veut dire que si je tourne, il y aura du One Piece comme musique? Pourquoi ça fait pas. Ah! Ah! Oh! Arugero, Yudemo! Sans ambiance! C'est l'opening de One Piece! Ça, c'est un bon objet, tu vois! Pour un truc AliExpress, en vrai, moi je valide, hein! Franchement, celui-là, il est trop choupi! Ce mec a 30 ans! Incroyable cet objet. Franchement, pour l'instant, c'est mon préféré sur les deux. Déjà, l'objet, il marche, tu vois. C'est pas comme ça, l'autocollant de merde, là. Un petit 6 et demi, tu vois. Vas-y, sur boîte. C'est les pires transitions ou les pires objets? Oh! Troisième objet, les gars. Allez, on y va. C'est quoi ça? Pourquoi c'est vert comme ça? C'est bien. Mais en fait, c'est pas du tout les pires objets. Mais c'est les meilleurs objets. Mais je suis trop content. C'est une bourse Naruto. Bon, attends, je peux mettre mes petites pièces? Ah, attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah. C'est sûr qu'il allait avoir un truc qui marchait pas. Je peux pas l'ouvrir? Force un peu. Oh ah, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Je te jure, la vie de ma mère, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est dur comme du béton. Ça regarde. Allez hop. T'as réussi? Regarde. Attends, t'as fait comment pour l'ouvrir là? Moi j'ai mis toute ma force. Tu vois? Pourquoi moi j'arrive pas? Oh, mais il y a déjà des pièces dedans. T'as vu, il a une grosse bouche. Non, c'est une bourse, c'est pas... c'est pour les pièces. Non, fini, c'est pour les pièces. Bah sympa la bourse, mais en vrai de vrai j'utiliserai pas. Bon, c'est un 5 sur 10 quoi. Quatrième objet les gars. Naruto. Oh, une coque. Alors déjà tu vois, l'emballage, le packaging. Ah merde. J'ai tiré normalement. Problème parce que t'as trop de force. Ah tu penses? Ouais. C'est vrai? Ouais. Enfin... Ouh là là. Non, pas à la caméra. Encore un item Naruto. Oh! Mais ce serait pas Sasuke Uchiwa? Le mec le plus stylé, le plus badass de cette génération? Il faut absolument que je teste cette coque sur mon iPhone. Est-ce que ça rentre? C'est sympa, oui. Voilà, à tout moment, les gars, vous prenez un genjutsu. Sharingan! Ah, pas mal la coque en vrai. Entre cette coque et cette coque, vous préférez laquelle, les gars? Dites-moi dans l'espace commentaire. Vous dites 1 pour la coque noire et vous dites 2 pour la coque Uchiwa Sasuke. Franchement, le choix est vite fait, hein. Ouais, la coque noire, on est d'accord. Non. Objet numéro 5. Oh, on est sur un objet un peu plus dodu. On est sur une texture un peu plus velue. Naruto. Un bonnet Akatsuki. Là, c'est la Fashion Week. Il faut le tester quand même. Waouh. C'est vrai que quand tu mets le bonnet, je sais pas, t'as une confiance en toi qui se décupe d'un coup là. Par contre, en vrai, non, il est bien à l'intérieur. Hein. C'est doux. Ouais, c'est doux. C'est un truc que je pourrais mettre pareil, tu vois. Il te va bien. Toi, t'es toute choupie. Tiens, on dirait une meuf qui essaie de faire semblant qu'elle s'intéresse aux animés, tu vois. En vrai, elle en a strictement rien à foutre. Et c'est quoi le personnage principal de Naruto? Naruto. Comment t'as su? C'est quoi le plus grand trésor qui est recherché par Luffy dans l'animé One Piece? Les 7 boules de cristal. Attends, deux secondes. Oh, mais quoi? T'as dit quoi? Les 7 boules de cristal. C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est ça, oui, c'est pas ça. La seule boule que tu vas voir, ça va être mes grosses couilles.
Putain, mais en tout cas, le bonnet il donne pas d'intelligence. Putain, ce bonnet, je trouve que t'as. Hop, hop, hop. Sixième objet. Oh. Les lunettes rouges, Akatsuki. Incroyable. Putain, d'un coup, je me sens méchant là. Quoi? Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre quand même. T'es sûr que c'est pas des objets maraboutés? Tiens, vas-y. Mets-leur. Elles vont bien ou pas? T'as vu, dès que tu mets les lunettes, y'a un truc qui change. Un truc qui est pas comme d'habitude. Oh, oh là, oh, oh. Septième. Oh, attendez, c'est lequel, lui, c'est le septième objet, c'est parti. Par contre, c'est vraiment fin, c'est l'objet le plus fin de cette histoire. Une carte Hunter Hunter? C'est pour mettre sur ta carte bleue. Mais non. C'est un autocollant carte bleue. Ah ouais? Ah oui, ça se décolle bien. Faut que j'aille chercher ma carte bleue. Bah, en tout cas, les mecs, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous voulez un épisode 2, les mecs, n'hésitez pas à bombarder les likes. Allez, on va dire, je sais pas, 2500 likes. Si vous les atteignez, je vous fais un épisode 2. Et vraiment, là, on prend des objets hardcore. En tout cas, la carte bleue vient d'arriver. Mais c'est un banger absolu. Non, mais ça passe de ouf. Ah, le seul truc un peu con, c'est que je vois plus mes chiffres. T'aimes bien Isoka? Ouais, je l'aime bien. Mais tu sais que c'est un pédophile? Ah, bah, je l'aime pas du coup. Moi, je l'adore, c'est mon perso préféré. Pour l'instant, c'est mon objet préféré. Moi, je valide. Voilà, je mets un 8. Je vais l'utiliser tout le temps, cette carte. Hop, 8ème objet. Putain, ça, c'est un truc gros, hein, c'est énorme. C'est un cosplay. Dragon Ball? Comment je vais mettre ça? C'est quoi ça? Oh, la texture. Oh putain, oh, ça sent la perruque. Et là, je mets ça, je perds tous mes cheveux. Hein. Je ressors ça, je deviens chauve. Oh, l'odeur! Goku sous caramel. Pourquoi cette perruque me gratte le crâne? Tu veux que je fasse un kamehameha? Kamehameha! Ouais! Attends, j'ai oublié de mettre la queue. Oh putain, mais comment je mets ce truc là? Tout le moment, ça me pique le cul, tu vois. Voilà! Attends, j'ai la queue. Viens que je te débarque. Viens. T'as peur ou pas? Tu vois les bouts de cristal que t'as dit tout à l'heure, les c'est dans Dragon Ball Z? Je vais finir la vidéo comme ça? Oui. Alors si je peux faire un bilan de ce costume, le seul problème c'est la perruque. Normalement il a les cheveux jaunes en fait. Là il a les cheveux oranges, vraiment on dirait un chou-fleur qui a explosé. Tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'en vrai je vais mettre 5 sur 10. Des Legos, j'ai toute la journée là. Le soleil est en train de se coucher. Est-ce que je suis en état de faire des Legos là? Oh, oh mais c'est Luffy. Je peux avoir un Luffy en Lego là? Il faut qu'on le fasse du coup. Bon les mecs, on monte le Lego Luffy et on vous montre le résultat à la fin. 2 hours later. Après 7 heures de montage sous le froid et sous le vent, nous avons réussi et il est là. Le petit Monkey D. Luffy. Honnêtement, je pense que c'est le pire objet de tous les colis qu'on a vu parce que c'était long en fait. Carrément, le tournage il faisait jour, maintenant il fait nuit en fait. Je sais pas quoi dire, il est choupi hein, mais c'est 0 sur 20. Prochain colis. J'ai toujours rêvé d'être un dresseur de Pokémon. Pose une pièce. Pikachu, tu me rends ma monnaie, hein. Mais il m'a fait peur. Attends, mais quand on regarde comme il est terrifiant. Là, tu me les rends, hein. C'est une tirelire originale, en fait. Il est sympa, hein. Validé, lui, avec la petite musique, genre. Sur 10. Prochain colis. En tout cas, c'est bien emballé. Oh, Naruto. Oh, des chaussons Naruto. Oh, mais attends, mais ils sont super confortables. Ils sont incroyables. Salut, je suis Naruto et aujourd'hui, on se retrouve avec mes nouvelles chaussures. Trop bien. J'ai l'impression d'aller aussi vite qu'un ninja de Konoha. Je vais même stream avec, ils sont hyper confortables. Franchement, c'est validé. La plus belle pièce peut-être de cette vidéo, 8 sur 10. Allez. Alors c'est bizarre, c'était dans un carton, ça veut dire que c'est un truc un peu lourd. C'est une lampe Luffy? Oh, il y a le truc d'Alabasta derrière. Attention. Oh, ça marche. Ma petite lampe Luffy. Voilà, je vais pouvoir m'endormir aux côtés de ses petits bras et de toute sa famille. Je suis très heureux. Toujours kawaii né. 6 et demi sur 10. 92e objet. Oh, Pokémon? Putain, mais c'est énorme. Oh, putain de merde. Attends, mais... Ça s'ouvre? Oh! Attends. C'est une blague. Oh, le Pokémon sous Covid.
Oh, c'est quoi ça? C'est un chewing-gum? Non mais là, je suis extrêmement déçu. Voilà, c'est bon. Il est énorme le colis, mais le contenu est tellement vide que j'ai l'impression que je me suis fait souiller là, tu vois. Là, c'est un moins 10 sur 10. Prochain objet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des armes. Je fais quoi avec ça? C'est tout petit. Mais c'est beau, mais en fait, faut que je le laisse comme ça. Je vais pas l'utiliser. Oh, l'épée de Zabuza. Yeah. En tout cas, la boîte est belle. Hein. Je sais pas, je m'attendais à quoi en fait en faisant cette vidéo. Je m'attendais à être heureux une seconde, genre. Je sais même pas pourquoi je suis dégoûté alors que je savais que ça allait être de la merde. Bah, c'est cool, mais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc? C'est l'avant-dernier colis. Non, c'est la première fois que j'ai envie qu'une vidéo se termine. Oh, là, c'est moi qui tourne cette vidéo en souffrance. Voilà, c'est ma tête devant cette vidéo. Combien de budget pour la vidéo? 6000 euros. Bon, on va refaire un peu de montage. Voilà. En vrai, cet objet est cool. Ah oui, c'est quand il lui donne son petit chapeau. Voilà, emboîté. Non mais Théma le cou. Bienvenue au pays des longs couilles. Hein, vous avez votre propre pays ici. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Je suis très heureux de tourner cette vidéo. Est-ce que je vais réutiliser des objets qui sont ici? Non. Dernier objet. J'espère qu'il est bien, sinon je pleure. Des tatouages. En vrai, il y en a qui sont pas mal, hein. Faut que je fasse un tatouage, c'est ça? Je peux te le faire. Tu vas me le faire. Ouais. On va prendre celui-là, là. Il est taché de couleur. Tu vas me le faire où? Sur le bras. Vas-y. Il est sophistiqué, hein. Ça part, on est d'accord. Ouais. J'ai toujours rêvé de mettre taché sur mon bras. Bah, préviens, non? Attends, bouge pas. J'ai peur. Fais voir. C'est trop bien. J'ai peur de regarder mon bras. C'est hyper stylé. Non, mais avec un peu de recul, je viens de me rendre compte d'un truc. Je viens de coller un tatouage AliExpress qui a certainement coûté 10 centimes sur mon bras. La probabilité que j'ai une putain de maladie du type Covid de la peau dans les quelques heures. Je te jure qu'il est stylé. Oh, ça me va bien. Je vais t'en coller plusieurs. Vas-y, le petit Kakashi. Oh, il est incroyable. Oh, yo. Regardez-moi ça. Mais en vrai, vraiment, premier degré, ça me donne envie de me tatouer. J'étais sûr, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est des petits essais comme ça. Là, c'est des... Je peux en faire un sur les temps. Quoi? Et là, j'arrive à la Japan Expo comme ça, mais tout le monde me saute dessus. C'est hyper sexy. Oh, j'aurais la marque petite de Oshimaru, oui. Bouge pas, bouge. Non, ça va. Ah, il est en train de le craquer. Bon, les gars, écoutez, tous les objets ont été déballés, hein. C'est la fin de cette vidéo. J'ai dû kiffer un ou deux objets. N'hésitez pas à me dire sur tous les objets qui sont passés quel a été le pire objet que vous avez vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez un épisode 2. Merci pour l'amour, la paix, l'eau fraîche. C'était moi qui dis fait mieux, le plus grand père de cette génération. Prenez soin de vous. Et merci à la cadreuse pour le taf exceptionnel.